الزول في الاون سنو كزول ينفع لنا جهاز كان دام لا لا دنو غال كان نخدم ان بوان دو باس باش نهضر في الديفلوبمون دي ستاج كي داك دي تيك جدا نتوالي ما باي تواجور تابري لي ريونيون كوس كياز كاس ميم دو ديريكسيون ما تولي لو سي اس على الكلوب اماتور اي تخلط ديبي 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 سون انستالاسيون il est acharné contre ma personne, contre la, voilà, la gestion du club. Depuis notre arrivée, le parcours, le parcours, la chance, et les jeunes, les jeunes du CRI, on a promis que la saison est une saison la saison prochaine par rapport au recrutement, par rapport à la qualité du joueur en place. Et qui nous a perturbé toujours voir les réseaux sociaux, nous sommes imperturbables, nous sommes sages, nous sommes en train de faire أخدم مدن فذات نكمل لما تجارة ماذا وجد جدي تاك تاكين وين كنا نجلس المحل ريجستو صار كنا ولش ده شو على بس بس كل لنيفو إلى با ونكينا ندن الصدع يكون نستخدم هذا الدرع تلاقي ريجستي صغار نومن كنا أنا فيه كنا قلقني يعني ال الركور الركور بشكل ندن ويرا لا دونسي تسفران أنا ديبوزي دعني على البينال بس كل مثل وليم بليك نسيم عبد الرحمن إلي il est dans deux, les deux registres DG, rien que le DG à Rossin sans le consulter, tout ça. On a confiance, mais il y a un la justice. Concernant nous sommes très très confiants, c'est le public. يعني هذه فيديو كذا الصح سنين على البيبليك دوث كذا لاجي اسكات سم زوود بيان سور الى اتدو كلهم يعني اتدو كلهم انا تيليم يعني الساج اي فيجيلون ان شاء الله اونسومبل سي كو ساكن نخدم اون غون سيزون اسفكر يعني هو اللي يدى المولود الا ذا شاد يونيا ثقات نخدم يعني كذا الحوايج النيابه اعطيك النصح زدنا الجول المرة في الأول سلام نول مرحبا يسول دي تزورا جامي او غران جامي دون ليستوار دو كلوب لا جي اس كان اتاريفي ا سيت امباس سيت اون امباس بور نو سيت اون امباس لا جي اس كان جامي فيكو سو جور دو سيتواسيون دونك اجوردي Nous appelons d'abord les supporters de la JSK à rester vigilants, très vigilants quant à la suite des événements. L'affaire des deux registres de commerce qui ont été, le deuxième registre de commerce qui a été établi, l'affaire est en justice, donc nous attendons les résultats de la justice. Nous faisons confiance, nous aussi nous faisons confiance à la justice, mais seulement... Avant d'arriver au résultat, nous demandons encore une fois beaucoup de vigilance de la part des supporters de la JSK. Il ne faut pas, surtout pas tomber dans le piège, surtout, de la confrontation entre les véritables et tous les supporters de la JSK, entre frères, parce que tout le monde aime la JSK, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc il va falloir rester très, très, très vigilant. Cette histoire de SSPA, il y a beaucoup de gens qui se trompent sur beaucoup de choses, parce qu'on a caché beaucoup de vérités, on n'a pas voulu dire la vérité concernant cette SSPA. On commence par l'élection de M. Millel. Pour ceux qui prétendent que certains ont ramené Millel, à commencer par moi-même, M. Millel, si de l'avis de tout le monde, vous n'avez qu'à vous référer à toutes les vidéos, à toutes les réunions qui ont été faites. À ma connaissance et de l'avis de tout le monde, M. Millel a été installé par le conseil d'administration de la JSK.
vous n'avez qu'à vous référer à toutes les vidéos. Donc c'est le conseil d'administration qui a désigné M. Mulel comme président de la JSK à l'époque en 2017. Pourquoi? Parce que tout simplement, à l'époque, tout le monde a fui la JSK. Tout le monde a laissé la JSK sur le chemin et ils ont désigné M. Mulel comme président pour continuer l'aventure. Et l'aventure de 2017 n'était autre que de sauver le club de la relégation. Alors, ces mêmes personnes qui étaient des dirigeants et des actionnaires à l'époque ont laissé la JSK dehors. Donc, il a fallu que quelqu'un se présente et ils ont désigné M. Mulel comme président du conseil d'administration. Maintenant, que ce soit légal ou pas légal, mais c'est le conseil d'administration qui l'a installé. Ce n'est pas moi-même qui l'ai installé parce que moi, je ne suis ni actionnaire ni membre du CES. Donc, c'est le conseil qui l'a installé et ils l'ont applaudi. Mais seulement, ils se sont trompés de compte. Leurs calculs ont été faussés parce que c'était un piège. Ils pensaient certainement, je dis bien certainement, et je suis responsable de mes dires, ils pensaient certainement que la JSK allait être reléguée en deuxième division. Pourquoi? Parce qu'il restait 8 matchs, 4 matchs contre les prétendants au titre et 4 matchs contre des relégables. Donc, ils se sont dit peut-être que ces gens-là vont se casser la gueule, excusez-moi du terme, et on va rigoler, elle s'est dit, voilà, mais malheureusement, pour eux, et heureusement pour nous, parce que moi je faisais partie de l'équipe, malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, la JSK a été sauvée et elle est restée en première division. L'année d'après, tout le monde le sait, nous avons fait une saison exceptionnelle, puisque nous avons terminé sur le podium, et la suite, vous la connaissez, le fameux dernier match qui a été joué entre le CSC et l'USMA. Donc aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on a réussi notre mission à 100%, mais il faut reconnaître qu'il y a eu de très bons résultats, de bons résultats. Que ça déplaise aux détracteurs de la JSK, mais de l'avis de tout le monde, la JSK avait une bonne équipe et a fait de très bons résultats. Essegui, la JSK, encore une fois, se trouve confrontée à des problèmes très sérieux. On parle beaucoup de la SSPA. Qu'est-ce que c'est que la SSPA? Encore une fois, je l'ai dit à maintes reprises et je le répète aujourd'hui. La SSPA, elle est composée d'actionnaires. Les actionnaires, il y en a 4 au niveau du club. Le reste a disparu des radars de la JSK. Je dis bien disparu des radars de la JSK. Essegui, ils veulent revenir pour gérer les affaires de la JSK. Or, quand on gère un club, qu'on abandonne en cours de route, pour revenir, il faut rendre des comptes. Et c'est pour cela qu'à maintes reprises, dans toutes mes interventions, je l'ai dit lors d'une conférence de presse, je dis de laisser l'équipe travailler jusqu'à la fin de saison et que le CSA puisse préparer l'ouverture du capital ou éventuellement l'augmentation du capital. Tout en laissant l'équipe travailler, le CSA devait préparer l'ouverture l'augmentation du capital. Chose qui n'a pas été faite. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'ouverture du capital ou l'augmentation du capital nécessite une réunion entre les actionnaires. Et c'est que l'ouverture du capital ou l'augmentation du capital devait obligatoirement ramener les bilans de 2010 à 2018. Et de 2018 à 2021, c'est la direction actuelle qui doit remettre les bilans. Ces gens-là, ils ont peur de quoi? Ils ont peur des bilans.
C'est les bilans qui l'ont fait peur. C'est pour ça qu'il y a eu toute cette agitation, toute cette précipitation à vouloir revenir au club sans pour autant présenter les bilans. Nous connaissons, en tout cas moi personnellement, en tant qu'ancien joueur et enfant du club, et pour l'amour que je porte pour ce club, je demande à ce qu'il y ait tous les bilans, de 2010 jusqu'à 2021, y compris ceux de l'actuelle direction. Parce que les bilans de 2010 à aujourd'hui font peur à ces gens-là. Dites-moi pourquoi on ne veut pas ramener les bilans. Pourquoi vous ne voulez pas ramener les bilans, vous réunir tous les actionnaires, je dis bien tous les actionnaires, les anciens et actuellement, ceux qui travaillent actuellement, vous mettre autour d'une table dans l'intérêt du club et ramener les bilans pour que les supporters de la JSK sachent et apprennent de vive voix toute la gestion qui a été faite pendant ces 11 années d'existence de l'ASSPA. Chose certains actionnaires ne veulent pas, à commencer par le CSA qui est majoritaire. Puisqu'on se compte à tout bout de champ que le CSA est majoritaire. Alors autant, puisque vous êtes majoritaire, autant ramener les bilans, les montrer au public et aux supporters de la JSK pour que les gens sachent quelles sont les anomalies qui ont été commises durant toute cette gestion depuis 2010 à ce jour. Donc j'en appelle à la conscience de tout le monde, dans l'intérêt de la JSK, de ramener tous ces bilans. Néaound a commencé de 2010 jusqu'à l'heure où je vous parle aujourd'hui, jusqu'à 2021. Comme ça, les gens sauront. Parce qu'il y a énormément d'anomalies et je sais de quoi je parle. Cette histoire, par exemple, de 94 milliards de dettes, il va falloir répondre à cette question. Maintenant, il y a un bilan 2013 dont je dispose moi-même, il est chez moi. Faute de ne pas ramener ce bilan-là que j'ai mis dans un endroit secret, je n'ai ramené que la feuille où figure ces 94 milliards. Voilà la feuille. Voilà les 94 milliards de dettes. À partir du moment où il y a 94 milliards de dettes et que la JSK dispose d'un capital de 80 milliards, donc la société est dissoute. La JSK, la société a été dissoute en 2013 parce que le capital a été bouffé par les dettes. Donc aujourd'hui, c'est maintenant. ما تغرم دار صواب على العقل وكد المعقول أتقيم مرتبلة دون لانتيري دلا جي اسكا pour ne pas mettre la JSK dans une situation très difficile. Il va falloir essayer d'adresser le l'hsab et voir que la JSK puisse redémarrer dans de très 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 bonnes conditions. Khatar Likini, Niaoun Tid, encore une fois, je ne suis ni actionnaire, ni membre du CSA, ni membre de l'Assemblée Générale. Alors que j'ai été ancien joueur, j'étais dirigeant, j'étais vice-président, j'étais président, mais je n'ai jamais fait partie de l'Assemblée Générale. On m'a écarté de l'Assemblée. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'intérêt, encore une fois, de la JSK, dans l'intérêt suprême du club JSK, pour tous les amoureux de tous ceux qui aiment la JSK, Essegui, Ilak, Etchfelut Mseltegui. Ratanikini, moi personnellement, j'ai peur de tout ce qui peut arriver dans quelques temps. Et c'est la JSK qui va trimer. C'est la JSK qui va en payer les conséquences. Et nous, en tant qu'enfants du club, amoureux du club, donc j'en appelle. S'il vous plaît, j'en appelle aux membres de la société civile. Quand je dis société civile, c'est-à-dire j'appelle tous les gens intègres
de haut niveau, je dis bien de haut niveau, magistrat, professeur, médecine, professeur en géologie, en tant qu'avocat, patron d'entreprise et tout, de venir. Et à cette commission composée de gens de l'hôtel, j'allais dire, de personnalités de la société civile de la wilaya Tizi Ouzou, de créer une autre commission composée essentiellement de commissaires comptes, de comptables et tout ça, pour prendre en charge ces bilans de 2010 à aujourd'hui, de les éplucher convenablement, éplucher tous les dossiers. Ça ne veut pas dire qu'en faisant ce travail, c'est pour mettre des gens dans l'embarras. Non, c'est pour que les supporters sachent que ces gens-là qui sont passés n'ont plus le droit de revenir pour prendre les rênes du club. Par leur mauvaise gestion, par toutes les anomalies qui ont été commises au niveau de la JSK, ces gens-là puissent, une bonne fois pour toutes, disparaître à jamais des radars de la JSK. Mais dans l'intérêt, encore une fois, dans l'intérêt suprême de la JSK, j'en appelle à la conscience de tout le monde. Si vous voulez que la JSK sorte de cet engrenage, de ce pourrissement qui risque de nous mener vers une impasse, je vous demande encore une fois de réagir. Maintenant, cette commission, qui c'est qui va là, j'en appelle au premier magistrat de la wilaya Tizi Ouzou de convoquer ces gens-là, de prendre... quitte à les convoquer, n'importe... Je ne veux pas savoir qui c'est qui peut décider de la création de cette commission. Mais elle doit être créée parce qu'encore une fois, tout le monde, je dis bien tout le monde, est supporter de la JSK, tout le monde aime la JSK. Que ceux qui aiment la JSK viennent au secours de ce club pour le faire sortir de cette crise qui risque, je dis bien encore une fois, qui risque de perdurer et qui risque de nous mener vers une impasse peut-être même vers les années où la JSK a vécu des moments très, très, très difficiles et nous allons être la risée de tous les détracteurs qui nous attendent au tournant pour que la JSK disparaisse de ce circuit de football national. S'il vous plaît, mais à d'accord, on a pris, on va faire dans le soir. On va faire dans le soir, 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 la JSK. Mais à d'accord, on a pris. À khatar, Masila Yewood, à Khini, la JSK, elle a été créée par des grands joueurs, elle va mourir avec des grands joueurs. Imsleïna Migadagi, Tazaram Bellik, Vixen Diwak National. Diwak National. Donc, à Segi, il a un Vixen, Adv Dinoukir Gazin, Iwulmen, Iwak Nansouf, Atherva Tagina, Sir Harsaki Gwaythila. Masra Diwun Nedon, Akini la JSK, la Marche Chayewun, Nkassina la JSK, effectivement, Sadrak. La marche chayoun, mais qu'on lui chichan. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la JSK, elle est orpheline. Ou c'est un chemin. Le cercle de la JSK, il a caché, c'est un mythe, le sang, et qu'il a récupéré. Le terrain kif-kif, même s'il existe. A tu crois que c'est le terrain, il dit, non, ça, c'est même pas la journée. 35 ans, il est là. A qu'on y a d'orbi, a d'orbi, a d'orbi, a d'orbi, a d'orbi, a d'orbi, a je défends mon club parce que du club bino de l'Itkara. Ni kini wgadi karan, assas dar, na assas bar, aslini ni kini assas bukha. Tant que l'air d'agi, ou tchadjagara la JSK, atsawda li halagol filasek. Ou tchadjagara simmuth. Mathmuth, l'histoire ne le pardonnera pas. A khataru de nigara. A segi a kriya kin karad gwawaliw, a karuyu zafardas. Ni kadi nigayni lan. أكل تفوت فا مدينة غيني لان مدينة في ذات أم بعد أكلس يقرأ قبالي مش بلغ وفغني عيت نكيني أكاديجيا وكذا كي أريد أطبلين في الليل سوف أنت قوش ميدك شمع ترفاتك أخطى نكيني ضراثن نكيني ضراثن ضراثن أخطى ماش قرن فلان يغرقشتي بورا يوكلو ديك شمع الله جيسكا زرام شغل يغرقشت بورا باسك بدك Parce que le monde est beau, d'assumer la présidente de la JSK, c'est pour ça qu'il y a eu.
assimilé à président de la GSK, je suis le seul président, depuis la création du football national, à rembourser la fédération. Boire les frais de mission en Afrique, en Côte d'Ivoire, Hugo de Surf, alerter la fédération. Le financier de l'époque, il n'a jamais vu un président rembourser la fédération. C'est la première fois dans l'histoire de la GSK et de la faux salaire qui nous mûre à la crise. La mort de la GSK est touchée, à Berber Télévision. J'ai lancé un défi à tout le monde. Où est-ce qu'il y a des gens qui ont été venus à la Seltenayen, à la Svat, à la Diade de Télévision, à Koudi. Il y a des gens qui ont été venus à la Télévision. Et où est-ce qu'il y a des gens qui ont été venus à la Télévision. Le Mouloudi Boud, c'est un minable, c'est un mesquin. Il a qu'à dire donc, à ce moment-là, دداس المولود أصغر شو شو يسحمي عتاو دوشين سلاكي عتاو دوشين سلاكي ما زال ويا عتاو دوشين سلاكي عتاو باش نضرب دوكي جبا ما دار كازيك لا إنا ياسن سيتا مينابل سيتا مسكان إلا قد يروح هذا يخدم العمر قد يروح هذا يخدم لي ميشا كودي أزكينا دويس على العمر تنمي فلوس